33e journée de championnat, tirage au sort des quarts de finale de la Coupe. Ce soir, le football est en vedette. Agression et mutinerie, les prisons françaises souffrent d'un trop-plein qu'une récente loi aurait dû éviter. L'invité du journal, Philippe Seguin, secrétaire national du RPR, pour son livre « Réussir l'alternance ». Un dollar qui chute, une économie qui hésite, les États-Unis connaissent un début d'année difficile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a quelques minutes ont été tirées au sort les rencontres comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France de football. Alors tout de suite, je vous propose de regarder ce que le hasard a décidé. Vous allez, je pense, voir sur votre écran s'inscrire les rencontres. Donc Paris Saint-Germain rencontrera Nantes, l'AS Monaco rencontrera le RC Paris et Saint-Étienne rencontrera Lille. La quatrième rencontre est actuellement en train d'être tirée au sort. Nous vous la donnerons bien sûr dès que nous en aurons connaissance. C'était aussi ce soir la 33e journée du championnat de France de football. Dans quelques instants, Daniel Leclerc vous donnera tous les résultats de la soirée, mais auparavant, il nous commente les images du derby parisien Paris Saint-Germain-Racing. Un derby qui n'a pas attiré plus de 20 000 spectateurs ce soir au Parc des Princes, et ce sont les joueurs du Racing en maillot bleu qui se montrent les plus entreprenants ce début de partie, et très logiquement, ils vont être récompensés de leurs efforts par un but absolument admirable que je vous demande de bien suivre. Un tir superbe de 25 mètres qui va sous la barre de Michel Moutier. Un très joli geste technique que nous allons d'ailleurs revoir pour le plaisir. Piet qui donne le ballon, amorti de la poitrine, un tir du pied gauche et un très joli but d'Éric Renault, un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais le plaisir des joueurs du Racing va être de courte durée car dans la minute qui suit, Richard Honorine, le défenseur du Racing, trompe son propre gardien Pascal Rousseau et c'est l'égalisation, ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Dès la reprise, le match est équilibré, mais sur ce corner à l'entrée du dernier quart d'heure, sur ce corner d'Honorine, tête de Ekeke, qui donne l'avantage au Racing. Mais même scénario qu'en première période, l'avantage du Racing sera là encore de courte durée. Sur la remise en jeu, le Racing va égaliser. Remise de Jean-Claude Lemou, une reprise instantanée de Safet Susic. Deux buts partout, on en restera là, pas de vainqueur dans le derby parisien. Ce fut d'ailleurs une soirée avec beaucoup de matchs nuls, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, sur l'ensemble de résultats que je vous propose de consulter dès à présent, avec une nouvelle victoire de Bordeaux, et il faut le souligner, le premier but de Fernando Chalana, l'international portugais, qui a donc marqué un but face à Rouen. Victoire également de Nantes sur le même score face à Laval, et l'on constate que dans la course à l'Europe, Monaco a fait une bonne affaire en allant gagner à Toulon 1-0, et que dans le même temps, Auxerre s'est défait de Metz 2-0. Et là, on va suivre toute une série de matchs nuls avec Tours. Voici donc maintenant l'ensemble des autres résultats avec Bastia, avec Brest. Le Paris Saint-Germain, on vient de le voir, avec Lille. Et enfin, victoire de Nancy face à Marseille, 3-1. Ce qui nous donne ce soir au classement, premier Bordeaux, 53 points. Deuxième Nantes, 48 points dans la course à l'Europe. Quatre équipes se tiennent, Auxerre qui est troisième avec 41 points, quatrième Monaco 40, cinquième Toulon 39. Dans le bas du tableau, pas de changement, Toulon et le Racing ferment la marche. Mais Richard, un dernier mot, toujours en football, pour vous dire qu'il y a eu un événement ce soir dans la deuxième division, le groupe B. Nice, le leader, a été battu sur sa pelouse par Lyon 3-1, ce qui fait bien sûr l'affaire de Saint-Étienne qui a largement dominé mardi 4-1. Les Verts prennent la tête du groupe B. Eh bien, je vais vous donner également le dernier match qui comptera pour les quarts de finale de la Coupe de France. Il s'agit de Sochaux contre Toulouse. Et oui, et les matchs auront lieu, je crois, le 17 avril, les matchs allés et le retour le 10 avril et le retour le 17. Voilà, vous savez tout pour le football. Deux prisonniers qui tentent de s'évader de la prison Montluc de Lyon et qui blessent grièvement un gardien. Protestation du personnel pénitentiaire qui se met en grève. Mutinerie des détenus d'une autre prison lyonnaise pour protester contre cette grève. Bref, en deux jours, les prisons lyonnaises ont connu des heures chaudes. Et derrière ces incidents, il y a la surpopulation des prisons françaises, une situation qu'une récente loi aurait dû éviter. Émilie Raffoul. Pourrissement, cote d'alerte, risque d'explosion, on a tout dit pour qualifier le climat actuel dans les prisons françaises, gravement atteinte du mal de surpopulation. Au 1er avril, le chiffre record était atteint, près de 45 000 détenus pour 32 000 places. Autrement dit, certaines prisons sont peuplées à 220% de leur capacité d'accueil.
Autre record, celui des suicides. On se suicide davantage en prison qu'en liberté et on se suicide de plus en plus. Une des causes de la dépression en prison, c'est la détention provisoire. En France, près de la moitié des détenus attendent dans leur cellule d'être jugés, quelquefois même pendant 2 ou 3 ans. La détention provisoire ne devrait être que l'exception. Et il est consacré par la loi que la liberté est la règle. Or, c'est une règle qui n'est pas respectée. On met souvent les gens en prison d'abord et puis on discute après. Alors que la loi dit le contraire. La loi, c'est le fameux habeas corpus. Toute personne non jugée est présumée innocente. Depuis le 1er janvier, par une réforme de Robert Badinter, le garde des Sceaux, les juges d'instruction ne sont plus seuls à prendre la décision d'une mise en détention. Ils doivent désormais se plier à un débat contradictoire avec l'avocat du prévenu. Ah, il y a une résistance. Et il est de notoriété que la plupart des juges ne sont pas partisans de cette loi. Mais enfin, comme elle est en application, comme elle fonctionne, et puis d'abord c'est la loi, on en arrive quand même à cette constatation que font les professionnels et qui fait que la justice actuelle est pratiquement la plus sévère qui existe depuis la libération, indépendamment des affaires politiques. La justice française est une justice sévère, qu'elle soit appliquée par des magistrats professionnels ou, comme c'est le cas en cour d'assises, qu'elle soit appliquée par des citoyens. Il ne faut quand même pas oublier que dans les cours d'assises, il y a 9 jurés et 3 magistrats. La justice est rendue au nom du peuple français et le peuple français est un peuple sévère. La sévérité face à une petite et moyenne délinquance en augmentation, peut-être peut-on imaginer d'autres remèdes que la prison. Il existe maintenant en France des peines de substitution, comme par exemple le travail d'intérêt général. D'autres mesures de ce type éviteraient notamment le phénomène de contamination entre petits et grands délinquants. Encore faut-il en avoir les moyens. La prochaine intervention du président de la République à la télévision aura lieu le 28 avril prochain sur TF1. Thème de l'entretien, comment va la France aujourd'hui? Pendant plus d'une heure, François Mitterrand abordera l'actualité française et internationale. Le gouvernement va prendre des mesures en faveur des chômeurs, en fin de droit. Le Premier ministre a précisé ce matin à André Bergeron, le leader de Force ouvrière, que ces mesures seraient prises avant le 30 juin prochain. Décision importante qui intéresse près d'un chômeur sur deux. Claude Guénot. Sur les 2,5 millions de demandeurs d'emploi inscrits à la NPE, ils sont 1 million à ne percevoir aucune aide. À ces exclus du bénéfice de l'assurance chômage, il faut ajouter quelques 500 000 autres demandeurs d'emploi qui ne perçoivent que 1 200 francs par mois au titre de l'allocation de fin de droit. Cette situation découle largement de la réforme des ACEDIC intervenue il y a un an et qui a entraîné une réduction des prestations en partie responsable de la nouvelle pauvreté. Les chômeurs privés de ressources ne sont cependant pas tous dans la même situation. Pour certains, il ne s'agit que d'une période transitoire de quelques mois. La situation est beaucoup plus éprouvante pour les chômeurs de longue durée arrivés en fin de droit. S'il semble difficile de mettre les salariés et les entreprises à contribution en augmentant les cotisations chômage, c'est l'État qui devra intervenir pour faire jouer la solidarité. Le gouvernement pourrait ainsi décider de faire bénéficier un plus grand nombre de chômeurs de l'allocation solidarité. On parle aussi de TUC, les travaux d'utilité collective, pour les chômeurs de longue durée en situation de grande pauvreté. À l'Assemblée nationale, les groupes UDF et RPR ont déposé aujourd'hui une motion de censure contre le projet de loi électorale. La discussion et le vote de cette motion de censure auront lieu mardi prochain. Dominique Baudis était ce soir l'invité de l'émission Face à la Troie. Le maire de Toulouse, qui est également député européen, en a profité pour lancer un appel à l'unité des chefs de l'opposition. Dominique Baudis a également fait le bilan de l'action du gouvernement depuis 1981. Que c'était le Père Noël qui arrivait. Et puis on s'est aperçu que la hotte était vide, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui avaient été promises n'ont pas été tenues. Après, on s'est aperçu que la barbe du Père Noël était fausse, c'est-à-dire que sous des airs bonasses, aimables, parlant de convivialité, de rassemblement, le Parti Socialiste était quand même un parti assez sectaire. Et puis les Français, enfin, se sont aperçus qu'on leur avait dérobé leurs souliers. Parce que depuis 2 ans, on enregistre la baisse du pouvoir d'achat, parce que la France s'appauvrit en s'endettant et que pendant des années, nous allons devoir rembourser ce que nous avons emprunté au cours des dernières années. Bref, que la France est plus pauvre aujourd'hui ou moins forte qu'elle ne l'était il y a quelques années. Notre invité ce soir est le député maire d'Épinal, Philippe Seguin. Philippe Seguin est secrétaire national du RPR et il vient de publier ce livre qui s'appelle « Réussir l'alternance ». Voilà, « Réussir l'alternance ».
Un livre qui, bien sûr, ne fait pas de concessions à la gauche, mais qui fait aussi des reproches à l'opposition. Alors, Philippe Séguin, vous abordez, bien entendu, le problème de la cohabitation. Vous dites même que c'est un vrai débat, au moment même où Jacques Chirac, à Agen, déclare le contraire. Alors, faut-il voir une nouvelle divergence entre vous-même et le président du RPR ? Non, pas du tout. Je crois que ce qu'a souhaité dire Jacques Chirac, c'est que c'était de fausses réponses qu'apportaient à cette question certains, y compris d'ailleurs dans l'opposition. Un débat strictement politique, dit-il. Oui, c'est vrai. Cela étant, c'est un débat, enfin, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de bien à l'opposition, ne serait-ce que parce que l'opposition donne l'apparence de la division sur ce point, mais c'est un débat qui est également nécessaire. Parce qu'on n'a pas le droit de ne pas dire aux électeurs ce qu'on compte faire si on remporte une victoire électorale. Alors il est certain qui pensent qu'il ne faut rien faire, il en est d'autres qui disent qu'il faut assumer les responsabilités du pouvoir. Je crois que c'est un débat dont il est bon qu'il se développe maintenant et non pas au lendemain d'une victoire éventuelle de l'opposition en 1986. D'après vous, quelle est l'origine de ce débat? Est-ce qu'il y a vraiment des divergences de fond ou bien alors est-ce qu'il faut y voir un débat qui cache finalement des stratégies personnelles bien différentes? Bon, je crois que les deux réponses ne sont pas contradictoires. Il y a probablement des divergences devant un cas de figure qui n'a pas de précédent sous la Ve République. Et puis, d'autre part, il y a probablement une prise en considération par certains de l'échéance de 1988, par priorité par rapport à celle de 1986. Oui, vous parlez là de M. Barre. On va essayer d'en venir un peu au fond de votre livre que j'ai lu. Je vais vous dire d'ailleurs que je l'ai trouvé très intéressant. Une chose que je n'ai pas très bien comprise, et on peut résumer mon incompréhension en deux mots. Qu'est-ce que vous préférez finalement? Un socialiste qui s'est renié, puisque vous reconnaissez ce changement politique, ou bien un homme de droite qui n'a rien appris et rien oublié? Écoutez, je préfère un troisième homme, à l'évidence. Non, ce que je crois, c'est qu'il est en train de se passer des choses extrêmement importantes dans la vie politique française, et qu'on est à la veille d'évolutions, pourquoi ne pas dire même de certains bouleversements. Et les échéances de 86, de 1988 vont se présenter sous un jour qu'on avait peut-être peine à imaginer il y a encore quelques mois ou quelques années. Je crois qu'il y a une aspiration des Français à voir se traduire concrètement en termes politiques ce consensus auquel ils aspirent ou que parfois même ils constatent pour la majorité d'entre eux. Il y a diverses façons de réaliser. Il y a une façon que semble nous suggérer M. Mitterrand, avec quelque chose qui peut ressembler peu ou prou à un retour à la 4e République, avec la remise en cause du scrutin majoritaire. Il y a une autre solution qui consiste en l'invention d'une sorte de 6e République, régime présidentiel. C'est ce à quoi pensent certains socialistes, semble-t-il, et d'autres même au sein de l'opposition. Et puis il y a ceux dont je suis qui pensent que la 5e République c'est très bien, mais à condition que ce soit une 5e République authentique fondée sur un rassemblement qui tente de transcender les clivages gauche-droite. Oui, alors mais je justement, crois qu'il y a un grand remue-ménage en ce moment à cet égard. Mais moi je me demande si vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise, parce que finalement vous dites que la gauche et la droite n'ont plus de réponses distinctes et a fortiori opposées à apporter aux problèmes du pays, et la voie logique, la traduction logique en politique de ce constat, c'est quand même l'union sacrée, non? Oui, mais alors l'union, le consensus, il y a plusieurs façons de le traduire. Il y a une première façon, c'est la 4e République, qui est une combinaison des partis. Il y a une autre façon, qui est la rupture du lien entre l'exécutif et le législatif, c'est la présidentialisation, mais enfin la vraie, à l'américaine. Et puis, il y a le rassemblement, et moi je crois que c'est la solution la plus efficace. Disons qu'entre la 4e, la 5e et la 6e République, imaginant ce qu'est la 6e République, me souvenant de ce qu'a été la 4e, et constatant ce que pouvait être la 5e, je choisis, parce que c'est la solution de la meilleure efficacité, la 5e République. Pourtant, vous reconnaissez, ça sera mon dernier point, vous reconnaissez que le rassemblement de type gaulliste que vous préconisez n'a jamais su éviter la dérive droitière. Pourquoi il l'éviterait aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il prendra acte de ce qui n'était qu'un objectif dans les années 50 et dans les années 60, est aujourd'hui non pas un idéal à atteindre, mais également une attente de la majorité des Français. Merci, M. Séguin. À l'étranger, après plusieurs jours de controverses et d'hésitations, Ronald Reagan et le chancelier Kohl sont enfin tombés d'accord pour honorer ensemble, le 5 mai prochain, la mémoire des victimes du nazisme. La cérémonie se déroulera dans l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen.
En Pologne, c'était aujourd'hui l'ouverture du procès en appel des policiers accusés de l'assassinat du père Popieluszko. Cet appel se déroule devant la Cour suprême en l'absence des accusés représentés par leurs avocats. Ce tribunal a le pouvoir de confirmer ou de modifier les sentences déjà prononcées. Il peut également convoquer un nouveau procès. Dès aujourd'hui, l'un des accusés, l'ex-capitaine Piotrowski, a fait rejeter toute la responsabilité du meurtre sur son subordonné, l'ex-lieutenant Pekala. Deux des trois Basques qui avaient été extradés par la France en septembre dernier ont été acquittés par la justice espagnole. Ils ont été acquittés faute de preuves. Le troisième verdict sera rendu dans les prochains jours. La reprise économique américaine n'est pas celle que l'on croyait. Pour les trois premiers mois de l'année, les experts tablaient sur une hausse de 3 à 4% du produit national brut. Eh bien, elle ne sera que de 1,3%. Mauvaise nouvelle pour les Américains, mais aussi pour les Européens qui devaient profiter de la relance des États-Unis. Pierre Babet. De quelle couleur faut-il peindre aujourd'hui ces gratte-ciels ? En rose, dépassé. En noir, exagéré. En gris clair, approprié. La contre-performance de la croissance américaine avait été précédée par des signes avant-coureurs. Baisse des ventes au détail, augmentation des stocks dans les entreprises. Ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu l'histoire de ce renard qui mange tellement de poules dans un enclos qu'une fois repu, il ne peut plus ressortir. Le dollar s'est tellement gavé que les produits importés ont raflé des parts de marché intérieur au détriment des biens estampillés « Made in USA ». Résultat, moins de croissance. Dans une économie aussi habituée aux mouvements de forte amplitude, où la psychologie et l'effet d'entraînement jouent à fond, un simple chiffre peut faire très rapidement basculer la situation. Ce qui est certain, c'est que l'Europe ne devra plus imiter, mais relayer la croissance américaine, car pour elle, le plus grave, ce n'est pas un dollar fort, mais une croissance faible. Les mauvais résultats du premier trimestre aux États-Unis avaient tout de suite entraîné une chute du dollar. Après une baisse spectaculaire qui a duré deux jours, il semble ce soir que la monnaie américaine ait trouvé un certain palier. Dominique Thiebaud. Aujourd'hui, même scénario qu'hier pour le dollar, mais à l'envers. Il s'est d'abord replié jusqu'à 9 francs et 5 centimes, puis le bruit a couru que la croissance au second trimestre serait meilleure qu'au premier. Résultat, le dollar remonte ce soir à New York à son cours de Paris. La fièvre printanière est un peu retombée à la Bourse de Paris. Les opérations de liquidation mensuelle ont été l'occasion de prise de bénéfices après un parcours pratiquement sans faute en avril. À Wall Street, les esprits se sont également calmés après la folle journée d'hier. Dans un marché étroit, on attendait sans trop y croire une baisse du taux de l'escompte. Mais l'indice Dow Jones restait inchangé à mi-séance. 90 millions de francs, 9 milliards de centimes, c'est le prix record payé hier à Londres pour un tableau du peintre italien Andrea Mandegna. L'acheteur est le musée Paul Getty qui se trouve en Californie, à Malibu, près de Los Angeles. Le tableau est de la Renaissance italienne. Véronique Bonnet. C'est ce tableau, l'Adoration des Mages, peint au début du XVIe siècle par Andrea Mantegna, qui a battu tous les records d'enchères chez Christie's. Son vendeur, le marquis de Northampton, aura donc empoché 9 milliards 100 millions de centimes pour un tableau de famille. Jusque-là, c'était un paysage marin de Turner qui avait atteint les plus fortes enchères. Ça s'explique parce que d'abord, le peintre est un maître absolu, que de ses œuvres, il n'y en a jamais sur le marché. Enfin, il faut savoir que ces prix records sont mis par des pays qui ont des devises très très fortes. Ce ne serait pas imaginable des achats pareils par des Européens ou des Français. Que les non-milliardaires ne se découragent pas. Ces dernières années, à Londres par exemple, la peinture victorienne a explosé avec des chiffres de vente multipliés par 100. À Paris aussi, il reste des peintres de qualité qui sont sous-estimés. Mais pour les trouver, avant que la mode ne s'en empare, un seul moyen, aimer la peinture pour elle-même et non pour spéculer. Il y a une prime à la recherche, à la perspicacité, Dieu merci. Et je suis convaincu, par exemple, que les maîtres du cubisme, à l'exception de Braque et de Picasso, qui valent déjà évidemment fort cher, sont encore très abordables. Plus près de nous, on voit, on redécouvre la peinture abstraite de l'école de Paris des années 50, qui se vend encore pour quelques milliers de francs. Donc, courage! Automobile, c'était aujourd'hui les premiers essais du Grand Prix du Portugal qui se courra dimanche à Estoril. Beau doublé pour les Lotus équipés des moteurs Renault, c'est le Brésilien Senna qui a réalisé le meilleur temps devant son coéquipier De Angelis.
Le champion du monde Niki Lauda a réalisé le troisième temps et Alain Prost le cinquième temps. Les prochains essais demain après-midi. Il y aura un tiercé demain à Vincennes qui se disputera dans le prix Jean Cabrol. Parmi les 20 partants, M. Courtine a choisi pour son pronostic les 18, 7, 16, 11, 19 et puis le 12, c'est son joker, et enfin le 14. Les prévisions de la météo pour demain, c'est la fin du grand beau temps, hélas, du moins pour la moitié nord du pays. Le temps sera très nuageux de la Bretagne aux Flandres, avec même quelques pluies. Ces nuages gagneront ensuite les pays de Loire, le Poitou, le bassin parisien et le centre et l'est. Les températures que vous allez voir s'inscrire sur cette carte seront en légère baisse, entre 12 et 17 degrés sur la moitié nord, 17 à 22 sur la moitié sud. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h55. Très bonne soirée à tous. Avant de nous quitter, le rappel des titres que nous avons développés pour vous. Championnat de France de football, Monaco et Auxerre bien placés dans la course européenne. Agression et mutinerie, les prisons françaises souffrent d'un trop-plein qu'une récente loi aurait dû éviter. Philippe Séguin, secrétaire national du RPR à Soir 3, je n'ai pas de divergence avec Jacques Chirac sur la cohabitation. Un dollar qui chute, une économie qui hésite, les États-Unis connaissent un début d'année plus difficile que prévu.